Oui, c'est moi, me voilà de retour. Mais qu'est-ce que je vois? La soupe n'est pas prête! Au bon vieux temps, dans les quinguettes, on voyait sortant des bas-fonds tous les marlous à rouflaquettes avec leur casquette à trois ponts. Seule une petite flaque d'eau dans le hangar témoignait de son héroïsme. Mais personne n'y fit attention. Et on accusa le chien. Je suis un idiot malcar, mais si j'étais né plus tard, rien qu'un petit quart d'heure après, j'étais un idiot complet. Conscient de mes responsabilités, je pose les mains sur mon aiguillage et le regard scrutant l'horizon, j'attends le passage du train de 8 heures. Conscience, devoir, abnégation, telle est la devise de l'aiguilleur. Quand sa pauvre femme, la plumassière, apprit tout, dans son désespoir, elle pleura une semaine entière, puis se jeta sur le trottoir. Le bitumier devant ce drame s'écria « Trottoir de malheur, tu m'as pris ma fille et ma femme par la mort et le déshonneur. » Et le cœur rempli d'amertume, il repartit vers son bitume. Lisette, autrefois sur la terre, tu me trahissais chaque jour. Aujourd'hui, tu prétends ma chair dans l'entre-ciel, m'aimer toujours. Ne fais pas de serment, pauvrette, j'en connais la fragilité. Non, ne me promets pas, Lisette, éternelle fidélité. Non, ne me promets pas, Lisette, éternelle fidélité. Mon passé, réponds-moi, je vais me surveiller moi-même et je vous garantis que je ne me laisserai pas évader. En France, on aime rendre hommage aux auteurs les plus ennuyeux. On ne lit jamais leurs ouvrages, mais de confiance, on dit c'est sérieux. Le peuple français a fait preuve de sagesse en recrutant son nouveau parlement dans les asiles d'aliénés. Ben oui, les électeurs ont tenu le raisonnement suivant. Depuis des années et des années, nous choisissons pour nous représenter à la Chambre des députés des gens sensés. Mais, à peine élus, ces hommes sensés se transforment brusquement en fous furieux. Alors essayons le système opposé. Choisissons nos représentants parmi les fous et ceux-ci se transformeront peut-être en sages. Tel fut le raisonnement logique des électeurs. Aujourd'hui, nous possédons une Chambre des députés recrutée dans nos asiles nationaux. Nous n'avons rien à perdre dans l'aventure. Si les fous restent fous, ça ne nous changera pas de l'ancienne chambre. Cupidon, quand vient le printemps, prend son carquois et se dépêche de viser les cœurs de 20 ans pour les transpercer de ses flèches. Aussi dès le tout mois d'avril, grâce au pouvoir de ses fléchettes, regardez que se passe-t-il. La nature entière est en fête. Le soleil verse la gaieté, tout est amour et volupté. Et le soir, en passant sous la lune, chacun passe en brassant sa chacune. Du bois de Bagneux au bois de Meudon, c'est la fête de Cupidon. Je lui ai demandé s'il voulait voir pour une dernière fois son neveu le pompier. Il m'a répondu qu'il était encore capable de s'éteindre tout seul. Soyez bref, nos instants sont comptés. Cela veut dire, il faut en profiter.